L'honnêteté. La détermination. Le calme. L'impatience. Un peu la timidité. Je suis en train de le corriger. C'était celui de tout simplement pas vouloir lâcher et à pas vouloir être derrière. Je travaille sur mon défaut. D'être un jour champion de France et si possible sur mes terres. Monter dans une supercar. Participer au Dakar. Au sport automobile, je pense. Ma copine, bien sûr. J'adore le McDo. Quel con. Mais je parle de moi à ce moment-là, quand je dis quel con. J'aime pas dire des gros mots, donc non, j'en ai pas, comme ça, ça me vient pas comme ça. Ah, je pense que les putains sortent facilement de ma bouche. Forcément, j'ai toujours mon père en pensée, je suis obligé de penser à lui ce week-end. Donc pour moi, ça a été un héros et toujours une source d'inspiration. Je sais pas, je dirais Aquaman. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Avoir de l'ambition et voilà, apprendre de ses erreurs. Pas se prendre la tête. Coup-ci, coup-ça. Apprentissage et puis réussir à se calmer. Plaisir déjà dans un premier temps. Parce que j'ai pris énormément de plaisir autour avec la voiture et avec l'équipe. Et je veux dire la convivialité, parce que voilà, les deux sont liés, mais on a passé de super moments avec l'équipe et ça c'était vraiment top. Super deuxième, c'est top, ça limite le goût d'une victoire. C'était important, là, il y a beaucoup de monde, donc je suis ravi de finir sur une deuxième place. On met souvent le pilote en avant ou la voiture, mais il y a tout un travail d'équipe derrière et c'est eux qui ont fait le boulot aussi.